Alors, bonjour à tous. Ça ne va pas plaire, mais non, non, il n'y a pas de coup de pied dans la fourmilière, hein. Simplement, j'ai droit de répondre puisque mes messages n'apparaissent pas sur le live. Voilà. Donc, pour ceux qui étaient sur le live de Lily Bugger aujourd'hui, donc je dis les noms, hein. Faut dire les noms, hein. Je crois qu'il l'a dit, hein, donc je dis les noms, voilà. Concernant le live avec Sophie Dédé, voilà. Je signalerai au monsieur qui a mis en commentaire que j'aurais dit que j'allais porter plainte quand Sophie Dédé a dit « Je me perds de toi ». Ben non, 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 c'est pas à ce moment-là que j'ai dit que j'allais déposer plainte. J'ai dit que j'allais déposer plainte parce qu'elle a avoué qu'elle venait foutre la merde sur nos lives. En tout cas sur mes lives. Parce que moi, je m'occupe de ma chaîne. D'accord? Voilà. Donc ça, déjà, c'était un premier point. Après, il faut rester calme, hein, en sachant qu'elle vient vous harceler, vous niquer votre chaîne, mais c'est normal. Et d'après qu'elle, hein, il y a des autres vicieuses, hein, qui sont là aussi, et on sait pourquoi. On sait de quelle chaîne elle vient, mais on s'en fout. Et puis oui. Oui. Oui, je me suis énervée parce que déjà, on ne me prend pas de haut comme ça, on ne me menace pas à 50 ans. Et de plus, je ne vois pas ce que mes petits-enfants ont été cités dans ce live. D'accord? Voilà. Donc, j'en avais parlé à la personne qui a la chaîne, hein, donc je ne vais pas répéter le nom, je viens de le dire. Voilà. Je lui ai dit en MP, hein, voilà. Mais bizarrement, elle n'entendait pas. Donc, elle ne pouvait pas parler, mais en plus, elle n'avait pas entendu. Elle allait vérifier sa vidéo, mais bon, voilà. Pour ce que j'ai dit hier dans ma vidéo, j'ai dit que je n'irai plus sur les autres chaînes. D'accord? C'est clair, c'est net. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai une sale tête et il n'y a pas que moi. On est de nouveau attaqué. Jason est dans le même état que moi. Et bizarrement, elle a les mêmes symptômes que moi. On ne s'est jamais vu, hein, on habite très loin l'une de l'autre. Donc, c'est quand même bizarre. Bon, enfin bref. Moi, j'ai eu des messages de la personne qui tient cette chaîne. Je lui ai dit clairement, hein, en message privé, que je ne fuyais pas, d'accord, voilà. Mais comme j'ai dit, avant de critiquer, il fallait attendre et voir, d'accord? Parce que me critiquer sur les tirages que je fais, patati patata, voilà, attendez et voyez. Ne me mettez pas tout de suite dans l'erreur, vous verrez bien ce qui va se passer, d'accord? Voilà. Alors que vous donnez votre avis, ça, oui, je suis tout à fait d'accord, hein, y a pas de souci là-dessus, parce que la critique est constructive, hein, d'accord? Mais se faire salir ou dénigrer, ça, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je le dis assez, hein, je vous transmets les messages, d'accord? Je vous dis que je suis pas devin, hein, donc c'est possible aussi qu'il y ait des erreurs, hein, parce que tout le monde fait des erreurs dans sa vie et ça lui permet de grandir, donc pour moi, il n'y a pas de problème, d'accord? Mais maintenant, il faut attendre, d'accord? Et on verra qui a raison. Voilà. Donc, je te répète, Lily, je ne vais pas mettre un coup de pied dans la fourmilière. Je fais ma chaîne. Je ne parle de personne, d'accord? Donc, je ne te salis pas, plaisant autant. D'ailleurs, je n'ai pas été méchante, car j'ai dit... Je t'ai dit en MP, hein, voilà, que tu devrais dire à Arnaud que pour son livre ou son film, hein, qu'il veut faire sur les voyantes et voilà, hein, parce que vous savez, la voyance, c'est du n'importe quoi, et les soins à distance, ça n'existe pas, hein, Arnaud. D'accord. Alors écoute, moi j'ai proposé à Lily, hein, que quand tu fais ton truc, je te donne mon autorisation. Moi, si tu veux un personnage qui me correspond, tu peux mettre Mimi Mati. D'accord? Mimi Mati, je te le dis clairement, hein, voilà. Parce que j'essaye de te le dire sur les lives, mais j'ai pas le droit de parler, en fait. Tu comprends? Je peux pas écrire, hein, on voit pas mes messages. Donc voilà, ok?
Donc, tu vois, bah, je rigole, hein, parce que franchement, je rigole. Puis, vous voyez, je suis pas énervée, je crie pas du tout. Hein, je suis pas du tout dans la bagarre. Voilà, je suis pas du tout comme ça. Je fais pas ma vie avec les histoires. J'ai déjà mes problèmes personnels, d'accord? Donc, moi, les cancans de YouTube, c'est terminé. Donc, je fais ma chaîne. Je coupe court avec tout le monde. Je le dis clairement, hein, voilà. Donc, vous m'entendrez pas dire de mal de Lily, vous m'entendrez pas dire de mal de personne. Moi, je ne suis pas comme ça directement ou indirectement, je dirais pas de mal, d'accord, voilà. Donc, je rigole, Arnaud, parce que m'accuser de faire partie de Q ou autre, c'est là que ça me gêne, tu vois. Là, franchement, ça me gêne énormément. Oui, alors j'ai dit que... Bah, faut t'informer ailleurs que la télé, hein, parce que franchement, si tu crois ce que la télé, elle te dit, bah écoute, t'es fichu, hein, go, hein, donc réveille-toi, hein, après, volo, quoi. Donc voilà, c'est dit, hein, c'est tout ce que j'ai à dire. Tu as le droit d'avoir ton libre arbitre, hein, mais de là à dire qu'on est dans un délire, non. Je veux bien t'entendre, hein, mais dans ces cas-là, donne-moi des preuves que tu as raison. Donne-moi des preuves que je suis dans le délire. Voilà. Parce que tu sais, l'histoire des enfants sur le bateau et tout, c'est sorti hein, quand même ça. Donc, si t'as pas eu l'info, moi j'y peux rien. Hein. J'y peux rien. Après, si tu vas regarder des chaînes où on te raconte n'importe quoi parce que ça te sécurise quelque part, moi c'est ton droit, c'est ton problème. Hein. Après, c'est pareil. Hein. J'ai fait un tirage sur tous les candidats. Je n'ai pas dit allez voter celui-là, allez voter celui-là. Hein. C'est pas vrai. Hein. J'ai forcé personne, hein, d'accord? Personne. D'ailleurs, je me suis fait attaquer parce que j'ai pas été votée. Hein. Donc, tu vois, c'est pas concordant hein, vos histoires, hein, d'accord? Voilà. Donc, je vais le dire autrement, hein, sans histoire. Vous voyez, je crie pas. On n'est pas sur la même longueur d'onde, d'accord? Voilà. Donc, je pense que tu as ta liberté et moi aussi. Donc, je pense que, voilà, vous ne me verrez plus sur les lives de personne, d'accord? Alors, il est possible que moi et Jason, on refasse des lives tirage l'après-midi, comme on faisait avant, hein, quand j'aurai le temps. Voilà, pas tous les jours, quand j'aurai le temps, je vous le dis bien. Aujourd'hui, on va voir si on va faire un petit live, hein, parce qu'on n'est pas bien. Donc, peut-être un live là, papotage, on verra, hein, d'accord? Donc, voilà, je coupe court avec les autres chaînes. Moi, les cancans, ça m'intéresse pas. Les énergies négatives, ça m'intéresse pas. Donc, moi, je n'ai pas envie de me battre avec vous, justement, hein, comme on n'est pas sur la même longueur d'onde. Je pense que nous n'avons rien à faire ensemble. D'accord? Voilà. Donc, moi, je le dis clairement. J'ai pris des notes hein, parce qu'il y en a tellement à dire que en plus je vais encore en oublier. Hein, voilà. Par contre, Lily, ce que j'apprécie pas, c'est que tu essayes de dire que je vais te faire la guerre. Je vais être claire avec toi, je ne t'ai jamais fait la guerre, d'accord? Je viendrai plus dans tes lives, ça c'est sûr, d'accord? Mais je ne fais aucune histoire. Et tu le sais, tu le sais, tu le sais. Tu as déjà été très en colère parce que la première fois, déjà, j'ai coupé court avec toi. Je t'ai bloqué de Facebook et tout. Tu pouvais plus me parler en MP. Et tu vois, moi, je vais te montrer que j'ai pas envie d'avoir d'histoire parce que je sais que toi, tu vas être en colère. Et ne dis pas que tu as donné un coup de pied dans la fourmilière et que ça m'a mis en colère, parce que tu vois, je ne suis pas en colère. Je ne crie pas, je ne suis pas du tout en colère. D'accord? Mais moi, que tu viennes me demander si un truc de la communauté parle de toi, que tu exiges des réponses tout de suite, parce que ce matin, tu m'as bien dit, oui, puis tu pourrais me répondre quand même, bah, excuse-moi. D'accord? J'ai déjà pas dormi de la nuit parce que je suis attaquée. Des envies de vomir, un mal de crâne, tu vois ici, on dirait qu'on me donne des coups de marteau. Donc, j'ai pas allumé les réseaux sociaux ce matin. Tu comprends? Et puis, des fois, tu m'envoies des messages aussi. Je suis dans le jardin et tout. Je prends pas mon téléphone pour aller dans le jardin. Et ça ne te plaît pas parce que je ne te réponds pas tout de suite. Donc, là, Lily, je suis désolée, mais je ne vais plus te répondre du tout parce que je vais te resupprimer. Ne prends pas ça mal. Hein. Ne prends pas ça mal. C'est que je veux que tu fasses ta chaîne. Comme bon te semble, d'accord? Moi, j'ai rien à faire avec vous parce que on n'est pas
du tout pareil, d'accord? Parce que si c'est pour faire des lives que je monte et qu'on dit pas ce qu'on pense et qu'on attend que je suis pas montée sur un autre live pour me dénigrer en bande, en clan, non, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne fonctionne pas comme ça, d'accord? Donc, voilà. Moi, tu essayes d'avoir tes infos ailleurs qu'en moi. D'accord? Voilà. Moi, je te dis clairement, je te souhaite une belle continuation pour ta chaîne, tu vois. Donc, je ne suis pas du tout en train de péter un plomb ou quoi que ce soit. Je précise encore une fois que je fais une vidéo parce que je ne peux pas écrire, d'accord, sur ta chaîne. Enfin, sur la chaîne de qui tu veux, je m'en fous. Parce que tu dis que c'est pas ta chaîne, donc voilà, je m'en fous. Moi, voilà, c'est négatif, je le dis, c'est négatif. En plus, je sens bien l'attaque venir, hein, parce que c'est moi qu'on attaque quand même, hein, quand on dit que. Ouais, la voyance, ouais, les bateaux, ouais, les sosies, ouais, les soins à domicile, ça n'existe pas, les soins à distance, ça n'existe pas, bah, les énergies n'ont pas de frontières, cher monsieur, voilà, et puis, voilà, moi, alors, peut-être, hein, vous avez bonne pensée, et attention, je ne fais pas ça parce que vous êtes pas dans mon. Vous êtes pas dans mon chemin de vie, hein, d'accord, voilà. Je fais ça pour m'éloigner de tous les cancans, les histoires. Moi, j'ai déposé plainte. Je vais laisser la plainte se faire. J'ai été honnête. Mia a été attaquée parce qu'elle m'a donné des captures, hein, voilà. C'est bien noté dans la communauté de Madame Payette. Donc, je lui ai laissé son droit de s'exprimer. D'accord? Moi, j'ai autre chose à faire que ça. J'ai pas envie de faire de live pour parler de qui que ce soit et tout ça. J'ai autre chose à faire. Donc, je coupe court. Voilà, je coupe court. Les gens qui veulent partir sur ta chaîne, partent sur ta chaîne. Ceux qui veulent rester chez moi, reste chez moi. Maintenant, les glo-glo qui viennent surveiller pour répéter dans tes lives, qui viennent surveiller mes vidéos pour répéter dans tes lives, ça c'est négatif. D'accord? Ça c'est négatif. On voit bien que ces gens-là cherchent à parler de Pierre et de Paul et de Jacques. Hein? Voilà. Alors, je vous laisse tous ensemble. Vous n'allez plus être embêtés avec moi. Voilà. Et j'espère que vous en ferez de même. Voilà. Sur ce, à savoir que je ne veux pas qu'on parle de la chaîne de voilà. Cette vidéo-ci n'aura aucun commentaire d'activé. Voilà. Comme ça, on n'envenime pas les choses. Je ne vais pas laisser les gens donner leur opinion sur ces personnes. Voilà, je ne les verrai pas non plus puisque vous ne pourrez pas écrire. Voilà. Donc, vous voyez, moi, je suis calme. Je ne m'énerve pas. Voilà. Et Lily, tu m'as demandé en MP de dire aux gens que tu n'étais pas venue t'excuser. D'accord. Franchement, je vais te dire, je ne sais même plus comment ça s'est passé. Ce que je sais, c'est que de toute façon, quand je te bloque, tu te tournes vers Gaëtan pour avoir de mes nouvelles. D'accord. Et je crois que j'étais venue sur un de tes lives, hein, parce que tu cherchais à communiquer avec moi. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Voilà. Donc, c'est pas moi qui est revenu vers toi, c'est toi qui est revenu vers moi, quand même. D'accord? Donc, je ne sais plus si tu t'es excusé, je ne pense pas. Voilà, ça te fait plaisir. Mais c'est toi qui as pris contact avec moi. C'est pas moi qui ai pris contact avec toi. D'accord? Voilà. Donc, sur ce, les amis,
Gros bisous, et puis ben on va voir si Jason et moi on vous fait un petit live cet après-midi. On va voir, je vais voir avec elle. Voilà, à tout à l'heure, gros bisous.